the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui. Car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je pense extrêmement importante à la fois pour moi mais aussi pour vous à faire, afin que bref, on va juste beaucoup expliquer plein de choses, Animal Crossing et autres. Bref, j'espère de tout cœur que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. N'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, je pense avoir tout dit, on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo. C'est parti! Alors déjà en premier, je serais extrêmement méchante de commencer cette vidéo sans vous remercier des 100 000 abonnés. Peut-être, c'est peut-être par là qu'on va commencer parce que c'est super important. Genre 100 000 abonnés, c'est juste un truc de ouf, donc merci à toutes et à tous. Juste un petit extrait du moment où on a passé ce cap ensemble en plein live, c'était juste incroyable, vraiment. Donc voilà, extrêmement giga énormissime. Merci à toutes et à tous de me suivre depuis peut-être plusieurs jours, plusieurs années, plusieurs décennies, peut-être pas, mais bref, depuis plusieurs mois sûrement. Donc ça fait extrêmement plaisir et je vous aime très, 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 très fort. Donc merci à tous. Et aujourd'hui, on va parler un peu des choses drastiques qui vont changer à la fois sur Animal Crossing, de manière concrète, un peu sur ma chaîne, mais ça, on s'en fiche un peu. On va parler de plein de choses que je trouve, selon moi, extrêmement importantes et qui sont vraiment importantes. Genre, vraiment. Bref, commençons. Alors déjà, on va parler de mise à jour. Vous allez me dire, Shine, tu parles de mise à jour. Oui, mais là, on va parler de mise à jour pour parler de mise à jour. Bravo. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, depuis bien le 4 novembre 2021, donc c'est-à-dire la date de la sortie de la big mise à jour Animal Crossing 2.0, eh bien on a eu donc cette magnifique mise à jour et depuis on n'a plus jamais eu de réelle mise à jour, on va dire ça comme ça. On a toujours eu des correctifs de bugs et Nintendo, je ne sais pas pourquoi ils font des correctifs de bugs mais de manière régulière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a notamment eu aux alentours de tout le mois de novembre, on a eu genre 3-4 mises à jour correctifs de bugs, ce qui est juste énorme. Décembre on en a eu une à peu près et en février on en a eu une, donc je ne sais pas pourquoi on a des correctifs de bugs de temps en temps, donc c'est plutôt cool. Mais soit on va parler de réelles mises à jour parce que je pense avoir un peu fait le tour de tout ce qui est en rapport avec les mises à jour. Ce que je veux dire par là, c'est que en soi, on a la mise à jour 3.0, donc un équivalent de mise à jour 2.0. Selon moi, n'est pas spécialement envisageable. Pour moi, la mise à jour 2.0, c'est juste Animal Crossing Horizons comme il aurait dû être sorti le premier jour, donc c'est-à-dire le 20 mars 2020, donc au moment où sort cette vidéo. Ça fait 2 ans jour pour jour qu'Animal Crossing est sorti. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous le dis parce que c'est incroyable ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années grâce à ce jeu. Donc waouh. Et je pense, selon moi, qu'il n'y aura plus de réelles mises à jour. Du moins pas les mises à jour qu'on a comme l'année dernière, un peu tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois, des petites mises à jour saisonnières. Ça, je pense qu'on n'aura plus, du moins bien moins comme on peut le comprendre, parce que bah on a déjà eu pendant, ça fait déjà 2 ans du coup, on repasse les mêmes mises à jour, donc ça m'étonne qu'on ait encore une 3e fois la même mise à jour. Enfin, je pense que vous comprenez. Donc voilà, sachant que Nintendo l'a dit un peu de manière officielle comme quoi eh bien nous n'aurons plus de mise à jour après 2023, donc c'est extrêmement désolant pour toutes et tous, on va pas se mentir. C'est aussi à la fois quelque chose de plutôt cool, ce que je m'explique. Parce que si Nintendo parle de il y aura plus de mise à jour, ça veut dire que Nintendo va délaisser le jeu Animal Crossing Horizons parce que on aura eu toutes les mises à jour, enfin du moins on aura eu tout en gros ce qu'on devait avoir dans le jeu, pour potentiellement pourquoi pas s'intéresser et commencer à construire un prochain Animal Crossing. Alors peut-être que c'est trop tôt au moment où je vous parle parce qu'on est qu'en 2022, que ça fait à peine 2 ans que le jeu est sorti, pourquoi pas. Mais je vous assure, je vous garantis que peut-être que si Nintendo là va délaisser de plus en plus le jeu Animal Crossing, c'est peut-être pour s'intéresser à de nouveaux jeux vidéo, pourquoi pas. Alors il y en a eu plein qui sont sortis ces derniers mois, ces dernières semaines, donc ça on va pas se mentir. Mais pourquoi pas aussi plutôt potentiellement construire un nouvel Animal Crossing. Et là on est un peu toute la idée de ce que je veux dire, parce que on va moins s'intéresser aux mises à jour, pourquoi pas s'intéresser à un nouvel Animal Crossing. C'est un peu plus concret, ça serait trop bien, donc ça c'est ouf, ça pourrait donner lieu à plein de nouvelles vidéos et ça c'est incroyable. Donc malheureusement, je pense que pour ce qui en est des mises à jour à partir de décembre 2022, donc à partir de la fin de l'année, on pourra dire que niveau mise à jour ça sera un peu mort pour Animal Crossing. Mais Nintendo quand même dit dernière grande mise à jour gratuite, donc pourquoi pas une mise à jour 3.0 qui serait payante. Imaginons, pourquoi pas d'autres petites mises à jour, petites mises à jour, donc qui seraient toujours gratuites. Mais voilà, en soi, on a pas mal de choses et pas mal d'idées par rapport à ce terme de mise à jour, de nouveau jeu Animal Crossing. Parce que pour les nouveaux Animal Crossing, ça pourrait être sur une nouvelle console autre que Nintendo Switch, parce que Nintendo Switch est sorti en 2017. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça va faire 4-5 ans que la Switch est sortie. C'est abusé, ça passe trop vite. Je sais pas si vous vous rendez compte que le temps passe extrêmement vite. Ça fait 4-5 ans que la Switch est sortie. Donc je pense que si un nouvel Animal Crossing, en vrai, ça pourrait être plutôt sur une
une prochaine console Nintendo, ou sinon une Nintendo Switch XL, des bails comme ça, tu vois, genre une nouvelle version. Et ça pourrait donner plein d'idées à Shine, qui a toujours une idée dans son sac. Ensuite, on va parler d'autre chose qui n'a un peu à la fois tout et pas rapport, mais on va parler du hack. Alors, le hack d'Animal Crossing Horizons, j'ai envie de dire que ça va devenir de plus en plus répandu, parce que je pense que vous voyez plein d'autres streamers, youtubeurs et tout qui commencent un peu à hacker, parce qu'on commence un petit peu à s'ennuyer, effectivement, donc on s'occupe comme on peut pour vous divertir et pour nous divertir nous-mêmes, parce que voilà. Il y en a plus en plus qui s'en mettent, et moi personnellement je suis ni pour ni contre, enfin les gens font ce qu'ils veulent. On m'a demandé pas mal de questions par rapport à mon île Happy Meal, donc c'est mon île sur Animal Crossing New Horizons qui est un peu en cours de hack, on va dire ça comme ça, parce que j'ai tenu ma promesse. Là avec un ami on est en plein dans le hack, genre on a commencé à hacker la console, donc il y a les fichiers tout ça, bouh, ça sort du matin. On a pratiquement terminé pour le logiciel pour commencer à hacker Animal Crossing, pour accéder donc à la sauvegarde, pour commencer à m'amuser à modifier la carte, le nom, tout ça, plein de choses comme ça. On y est bientôt, sauf que là on y va petit à petit quoi. On l'a fait la semaine dernière, là cette semaine on n'a pas retouché, peut-être qu'on y fera la semaine d'après, donc ça prend un peu de temps, mais petit à petit, et franchement on avance du feu de Dieu, et ça c'est plutôt cool. Et honnêtement moi je trouve que le hack d'Animal Crossing, c'est, ça aide à pas faire mourir le jeu tout de suite, et ça aide un peu à s'amuser d'une autre manière dans le jeu. Alors est-ce que c'est la meilleure manière ou pas, ça c'est plutôt personnel et à chacun, on va pas se mentir. Donc en soi on n'a pas trop d'avis à donner dessus, parce que c'est chacun son avis, chacun pense comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, donc c'est un peu ça la question et la réponse en globalité. Et maintenant on va parler un peu d'autre chose, donc du prochain Animal Crossing, parce que je voulais quand même revenir, parce que j'aimerais bien faire pas mal de vidéos par rapport à ça, parce que ça a l'air trop bien, et surtout j'ai déjà plein d'idées, plein de choses comme ça, et surtout bien évidemment, et bien vu qu'Animal Crossing Horizons, bah là je pense que la hype entre la fin de la mise à jour 2.0, enfin du moins elle est passée la mise à jour 2.0, genre il n'y a plus la même hype, on la découvre plus quoi, vu que je pense qu'au bout de 5 mois, ça va faire 5 mois que la mise à jour est sortie déjà, très très vite, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on commence un peu à moins avoir de hype, surtout qu'on n'est plus en confinement, donc le jeu Animal Crossing, beaucoup de gens l'ont lâché, beaucoup de gens s'y intéressent moins, beaucoup de gens, tu vois, au bout d'un moment, ça lasse, donc on essaie de trouver des alternatives pour vous, pour nous, enfin donc on essaie de s'occuper comme on peut, en attendant patiemment un prochain Animal Crossing, ça serait ma foi fort pépite. Donc c'est pour ça que j'ai déjà pas mal d'idées de date du prochain Animal Crossing, bien sûr je ne suis pas Nintendo. Après si Nintendo pourrait venir m'interviewer, on pourrait s'interviewer pour vous poser des petites questions et tout sur le jeu, pas de soucis, parce que je pense qu'on est tous d'accord, on est tous déjà hype pour plein de choses par rapport à Animal Crossing, parce que c'est un jeu d'une grande qualité comme on adore. Moi Animal Crossing c'est un jeu incroyable. Et surtout on va parler aussi de moi. Alors déjà pour les 100 000 abonnés, j'ai une grosse vidéo qui va sortir, je vous spoil un petit peu parce que je suis comme ça. C'est comment, c'est, non c'est pas ça. Vivre 24 heures comme dans Animal Crossing 2.0. Donc c'était une de mes vidéos qui vous a le plus sur ma chaîne, que j'ai tellement adoré faire. Donc là ça sera la même vidéo version 2.0, c'est-à-dire avec la mise à jour 2.0 d'Animal Crossing. Il y a plein de nouvelles choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc déjà ça c'est sûr, et ma peste était mal mise depuis le début, fallait me le dire. Donc vraiment plein de choses comme ça qui vont être mises en place, ça va être trop bien. Ensuite pour les 100 000 abonnés, bah déjà merci infiniment, c'est un goal d'une vie. Aussi je voulais revenir sur le fait de très souvent, enfin pas tout le temps mais de temps en temps, mes vidéos sont mises en privé. Est-ce que je vais arrêter? Non, je préfère quand une vidéo vous plaît pas, quand il y a moins de gens qui regardent, je préfère la mettre en privé, parce que sinon ça empêche de dormir et il y a pas de vanne. Donc voilà, si vous regardez mes vidéos vous êtes gentils et c'est cool, donc pensez à mettre un like, cool. Aussi par la même occasion, je pense un peu arrêter de mettre mes vidéos en première. Donc qu'est-ce que c'est de mettre une vidéo première? C'est les vidéos où en fait avant de la mettre en ligne, et bah c'est comme un live et tout, comme ça il y a une hype. Je pense que je vais arrêter de faire ça pour l'instant, parce qu'en fait ça m'use plus qu'autre chose, genre ça me fatigue vraiment, c'est du stress en plus, déjà comme vous savez c'est extrêmement pressant et stressant YouTube, donc voilà, je pense que je vais juste faire comme avant, poster mes petites vidéos, basta, et je pense que ça peut être cool. Je reste au rythme d'une vidéo par semaine, parce que bah j'ai pas envie de faire deux vidéos par semaine pour m'esquinter la santé mentale et physique, et ce serait un peu bête. Mais en vrai, s'il y aurait la même hype comme en 2020, volontiers que j'aurais continué à faire deux vidéos par semaine, mais du coup vu que c'est pour ça, bah je reste à une vidéo par semaine, je suis désolée. Ensuite, est-ce que j'arrête Animal Crossing? En vrai, je voulais un peu vous en parler parce que je trouve ça super important de vous en parler, car il y a pas mal de choses par rapport à Animal Crossing qui n'existent plus sur ma chaîne, qui n'existent plus dans Animal Crossing en lui-même. Genre, on n'est plus comme au premier jour, on découvrait le jeu, c'est différent quoi. Est-ce que j'arrête Animal Crossing? Maintenant que j'ai 100 000 abonnés, bah déjà, c'est ouf. Je n'arrête pas Animal Crossing, mais j'aimerais bien prendre un peu un virage, comment dire? Un peu comme un virage comme à la Squeezie, comme à la Michou, comme à la Snockstack. Enfin, tu vois, ce genre de youtubeur qui de base faisait du gaming à fond, et je sais pas par quel moyen ils auraient su faire du lifestyle, et c'est là où ça a encore explosé, ça leur a encore plus. Ils font des concepts de fou. J'aimerais beaucoup prendre ce genre de virage. Après, faudrait que j'analyse un peu comment ils ont fait, parce que ça fait un peu bizarre. Donc voilà, non, je n'arrête pas Animal Crossing. Oui, j'aimerais faire un peu plus de vidéos comme Vive qu'un 24 heures comme d'Animal Crossing. Vidéo un peu plus lifestyle chelou comme ça, concept de ouf, tu vois. Plus ce genre de vidéo, et voilà. J'ai aussi une énorme vidéo qui sort le 1er avril. Je compte grave sur vous. Après, je préfère être franche et être dans cette vidéo pour vous en parler. Mais si je
vois que Animal Crossing, ça plaît plus du tout, vous regardez plus ma chaîne, il se passe plus rien, je fais des vidéos dans le vide. Et j'aurais des décisions à prendre, parce que si Animal Crossing, ça plaît plus, je vais pas continuer à faire ça. Si vraiment je vois qu'il y a plus de hype, il y a plus rien, il se passe plus rien sur ma chaîne, ça veut dire peut-être que j'aurais fait le tour. Et si je continue par exemple à faire un autre type de contenu qui vous plaît encore moins, je pense que là, j'aurais fait le tour, ça sera un peu la fin de ma chaîne. Donc voilà, en vrai, tout dépend énormément. J'ai tellement l'impression. Tout dépend grandement de moi, mais aussi de vous, en tant que téléspectateur, si vous continuez ou pas à me suivre. Donc voilà, il y a un peu de la pression des deux côtés qui se franche sur nous, c'est génial. Mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux autres chaînes YouTube, j'ai 3 comptes Instagram, j'ai un Twitch, j'ai un Snapchat, donc je suis vraiment active sur tous les autres réseaux sociaux. J'ai aussi un TikTok, donc pensez pas que j'arrête. Enfin, je suis tellement active sur mes autres réseaux sociaux, enfin vraiment. Sachez surtout que j'ai une chaîne de shorts qui plaît énormément, donc je reposte des petites vidéos courtes, donc des petits TikTok, ça plaît énormément, vous êtes grave active, j'ai une autre communauté, c'est un truc de fou, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo avec un titre très très ouf vous aura plu. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là, c'est avec grande émotion que je vous remercie des 100 000 abonnés. C'est ouf, vraiment, il y a combien de temps? J'ai commencé YouTube à peu près 5 ans, j'aurais jamais pensé un jour avoir autant d'abonnés. C'est juste une chance inouïe que vous me faites, donc je vous aime énormément. Merci pour ça, j'espère continuer encore sur Animal Crossing, sur un futur Animal Crossing. Donc voilà, je compte vraiment sur vous, si vous voulez partager cette vidéo, si vous voulez vraiment la regarder, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'enlèverait un peu cette pression que je me mets au quotidien par rapport à cette chaîne YouTube, parce que c'est pas ouf et c'est pas cool du tout, sachez-le. Voilà, merci à tous, merci, vraiment du fond du cœur. Pensez à liker cette vidéo, ça ferait trop plaisir. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, merci des 100 000, ciao à tout le monde. C'était Charline Cherries. Bisous bisous.